Et yo les gens, c'est Xeima et on se retrouve pour un nouvel épisode de Okami. Donc la dernière fois nous étions arrivés dans je sais plus comment ça s'appelle, Ryoshima, quelque chose dans le genre. Bref, en gros on avait purifié une nouvelle zone. On pensait pas que c'était encore possible qu'il y ait des zones pourries vu qu'on avait battu Orochi. Et on avait dit qu'on irait dans une espèce de bateau bizarre, on avait appris des nouvelles techniques, tout ça. Sauf que justement, comme on avait appris de nouvelles techniques, on a aussi appris qu'on pouvait détruire ces gros cailloux là. Et donc du coup, je me suis rappelé que sur le chemin, il y en avait un. Donc du coup, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, là, t'as un coffre, on dirait ça. Oula. Comment vous dire que je sens pas des masses. Pas purifier ça? Non. Est-ce qu'on peut faire du vent pour enlever? Non. Est-ce qu'on est cinglé et on saute dedans? Allez, on est cinglé et on saute dedans. Apparemment on peut. What? On t'a pas déjà battu toi? Bon. Pourquoi pas? Ok, bah écoutez, un combat de boss dès le... Wow! Combat de boss dès le premier épisode, ça commence bien. Tu arrêtes de tourner ou... Choper un bon angle pour l'avoir. Choper. Hop. Ok. Oh. Apparemment, fallait pas être là. Et ça pique. Bon. Apparemment, fallait pas être dedans. Parfait. Il lève son cul. Ce qui me donne une meilleure vue pour choper ça. C'est que j'ai plus de j'ai plus de peau d'encre. Bon, on va courir le temps que notre encre se régène, hein. De toute façon, on peut pas nous faire grand chose pour qu'on fait trop bizarre autour d'elle. Alors, étape 1, yoink. Étape 2, yoink. Et étape 3, yoink. Ah, raté. La troisième étape a raté. Yoink. Aïe, ça c'était moi. Ah d'accord, ça n'a pas marché. Bon. Puisque ça veut pas... Quand ça veut pas, eh ben ça veut quand même. C'est parti. Ben alors, tourne caméra, tourne. What? Ok. J'arrive pas à choper le bon angle. Ok, là c'est parfait.
Quoi? Je suis dessus là. Putain. On prend plein la gueule sans pouvoir rien faire, what the fuck. Voilà. Et là avec le bâton d'amplifié, elle va bouffer. Ça coupe ou ça coupe? Quand même. Voilà, meurs. Mais enfin. Qu'est-ce que c'était que cette araignée dissidente? Ouais, merci, tant caca, je m'en suis rendu compte. Enfin. Un coffre. Fragment solaire. Doudou. C'est pour remonter à la surface, je suppose. Apparemment, oui. D'accord, ok, c'était juste un combat contre une grosse araignée encore. Ok, ok, d'accord, très bien. Pas de problème, mesdames. Bon, par contre, du coup, on a gaspillé un peu un bâton qui a fini pour rien. Mais... ça coûte cher, cette merde. Tant pis. Alors, allons voir ce fameux bateau pirate. Bateau pirate, je sais pas, mais échoué toujours. Yoink, yoink. Ah, raté. Yoink, yoink. On se met là. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, vision. Yep. Nuit. J'ai dit nuit. 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 Par contre, c'est bizarre parce que du coup, le truc il est à l'envers. Enfin, la lune est à l'envers. Ça correspond pas. Ah d'accord, c'est fait exprès en fait. Ok. Sapristi ! C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Je me demande s'il est sûr. Je me demande s'il est sûr de marcher sur ce lagon. Bah techniquement on va pas vraiment marcher. Je vais aller à la nage au fait. Allez, go Camille, go Camille. Oui. Yeah. Bon. Le tout c'est qu'il faut pas qu'il refasse jour. Parce que s'il refait jour. Oui. S'il refait jour, ça se trouve toute l'eau va se remettre et on va bouffer. Charme de conjuration. Très bien. Là-bas, il y a encore un truc. On va explorer avant de rentrer dedans. Alors. Billes de verre. Ok. Y a-t-il des choses là derrière? Il y a un truc. Dérapage. Incontrôlé, mais dérapage quand même. Donc. Amulette divine. Je tourne la caméra. Non, y a rien. Par contre, faut qu'on se casse avant qu'il fasse nuit. Avant qu'il fasse jour, pardon. Sinon, on n'est pas dans la merde. Alors, déjà. Boink. Yoink. 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 Ok. Le navire naufragé. Ok, déjà, je vois des trucs ici qui vont disparaître. Ou alors. On peut pas! Ok, on peut pas couper. Et si je fais une bombe? À
Apparemment non. Et autre truc apparemment, c'est qu'à mon avis on peut pas rentrer. Cette porte est maudite. Ils l'ont sûrement scellée pour empêcher les voleurs d'entrer. J'avais jamais vu une malédiction aussi puissante. J'espère que ce navire n'est pas hanté. À défaut d'hanté, il faudra peut-être déjà pouvoir rentrer déjà. Hop. Ah, Ryoshima, j'avais raison. Hop. Un navire naufragé, ok. C'est bien beau, mais comment je gère ça, moi? À mon avis, on n'a pas l'item qu'il faut pour aller dedans pour l'instant. Si vous voulez mon avis, on n'a pas encore le niveau pour faire ce qu'il faut. On n'a pas encore ce qu'il faut pour accéder à ce niveau. Maintenant, une question un peu plus importante se pose. Comment je sors de là? Là, ça fait un peu un mur d'eau. Je vais peut-être faire une connerie. À mon avis, je fais une connerie. Non, je veux créer un nénuphar. Teubé. Ah putain! Mon radeau de survie se casse. Safe. C'est bon. Je me sens soudain plus safe. Bon. Par contre, ça, c'est un coquillage qu'on peut casser. Donc on peut ouvrir pour récupérer ce qu'il y a dedans. Oh sacré, ok très bien. Sort 3 soleils d'énergie. Bon donc clairement, il nous manque un objet pour aller là-dedans. Pour ouvrir la porte maudite machin. Du coup, ben, on continue, on a déjà nourri ces trucs. Là-bas il y a quelqu'un. Là-bas il y a quelqu'un. Bonjour. Où se cache-t-il donc? Je ne vois pas Inaba ou... je ne vois pas où Inaba a bien pu passer. Qui est donc Inaba? C'est l'inconvénient de ces animaux de compagnie. Tu l'as vu, le chiot? Non. Enfin... j'ai vu des chiens tout à l'heure, mais... c'est le porcassin. Pareil. Pff, je l'ai pas vu. Désolé, mon gars. Désolé mon gars, je ne l'ai pas vu. Alors. Dépôt. Dépôt. Et encore dépôt. Voilà. Si je le croise, promis, je te le ramène, mais. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Il n'y a rien par là, il n'y a rien par là. Il n'y a rien par là. Il y a juste une truc là qu'on peut voir. Non. Non plus. Voilà. Bidulibilule, ok. Oui. Ok. Cataclop, madafaka. Bon, là, il y a un combat, donc on va l'éviter, parce qu'on va avoir la foutre. Qu'y a-t-il au bout de ce pont? Un autre combat. Et un coffre. Oh, il y a des chats aussi. J'ai cru voir un chat. Oui, il y a des chats. Bonjour, les chats. C'est du poisson, je dirais. Bingo. Oh, tiens, au passage, on a plein de sphères de bonheur. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Ouais. On peut augmenter nos pots de peinture. Voilà. Donc, la prochaine étape est pas avant longtemps. Y a-t-il quelque chose à droite là? À droite de la passerelle. Non, je n'avais pas l'impression. Non, même là-bas, il n'y a même pas l'air d'y avoir une espèce de petite plage ou quoi. Contrairement à l'autre côté. Ah si, il y a peut-être un truc. Mais... ah si, il y a un truc. Il y a un truc. Toutoutoutou. Ensuite, ce truc.
Et maintenant la question 1 million de dollars, comment on monte? En faisant le tour. Génial. Sentez la motivation d'un homme. Bon bah écoutez, on va y aller en accéléré. Hein. Finalement, il y avait un truc pour remonter visiblement. Ah, si j'y arrive. Avant de mourir. Voilà, c'est bon. Et on récupère nos pouvoirs. Impeccable. Bon, on est reparti. Donc, là-bas, il y a une grande porte. Mais genre, une bonne grosse porte. Ok, cinématique. Oh! Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Alors déjà, ça vole, donc... Ça... Okay. On peut pas... Ah d'accord, on peut ni le taper, ni le... Et comment on est censé battre ce truc? Parce qu'on peut pas le taper au corps à corps et on peut pas le taper à distance. Ah bah, faut attendre qu'il s'écrase au sol comme une merde. Wow, ok. Ok. En fait, faut attendre qu'il s'écrase comme une merde. Comme ça, pour le taper. Hein? Encore. Voilà. Ok. Tout ennemi a un point faible. Vraisemblablement, lui, c'est juste qu'il sait pas atterrir. Bon. Ok. Bon. Suite de nos péripéties. Ah, ok, une maison hantée. Y a-t-il autre chose? Non, 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 juste des pots qui servent à rien. Ici une porte, ici un coffre. Ça qui est de point de fer, ok. Le panneau militaire. A gauche, pour la péninsule nord de Ryoshima, à droite, la cité de Seiyan. C'est pas la cité qu'on devait aller, je crois? Je crois que c'est la cité qu'on devait aller. Bah écoutez, déjà on va s'occuper de cette maison, hein, de cette truc hanté. Hein. Alors. Oh pff. Déjà quand j'ai rien, c'était chiant, on gérait deux. Bon, bah. D'accord, celui-là il balance des bouboules. À tête chercheuse. J'essaie de taper la bouboule en même temps. C'était bon. Le truc c'est qu'on peut rien faire contre eux tant qu'ils sont pas en train de voler. Faut que tourner en l'air comme un Tardos, enfin tourner autour comme un Tardos. Alors. Aïe, je suis pris. Oh. Les 4 ce serait beau. Oh les 4. Ah d'accord. Ils se protègent contre leurs propres attaques. Quand ils sont comme ça, on peut pas leur foutre une bombe dans la gueule. Bien sûr que si on peut. En fait, il y avait une autre stratégie, l'exploser avec des bombes quand il est à l'arrêt. Genre lui, là, il est à l'arrêt. Il va se manger une bombe dans la gueule.
Et du coup, il meurt. Et il meurt. Donc, hop, une petite bombe. J'ai dit une petite bombe. Ah, non, ben c'est pas. Bombe. Aïe. Déjà, est-ce que tu peux mettre dans le bon sens? Parce que là, c'est-à-dire que je vois pas des masses, ce qui se passe. Bombe. Voilà. Bon, par contre, là, c'est dégâts caca, tank, dégâts caca et tank caca. Voilà. J'ai pas de meilleure stratégie pour les battre, à part les bombes quand ils sont arrêtés et attendre qu'ils s'écrasent comme une merde sur le sol, il n'y a pas d'autre moyen de les battre, j'ai l'impression. Des lapins. Tenez, prenez de l'herbe. Prendre de l'herbe. Coup de lapin, ça va pouvoir manger des graines aussi, tu me diras. Je sais pas. Voilà. Ah d'accord, il y a deux trucs de lapin côte à côte en fait. Ah, c'est un lapin noir et blanc. Hein. Il était pas tout blanc, il était noir et blanc. Ah, tous les lapins sont heureux, c'est cool, c'est bien. Du coup, on va par là. Non, si t'es le machin, c'était pas. Si t'es Saiyan. Oula, 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 oula! Qu'est-ce que c'est que cette fumée verte polluante dégueulasse? C'est une critique de la pollution dans notre société actuelle, c'est ça? On dirait un vieux gaz toxique pourri, là. Ouais! C'est un peu mort chez vous. Un peu. Hein? Qu'est-ce que... Je croyais qu'il y aurait plus d'animation dans la ville. C'est quoi cette brume fétide? Ça semble vraiment nocif pour la santé. Comment survivent les gens au milieu d'un truc pareil? Mais ta vie qui survive pas. Et au passage, comment nous on survit au passage? Bonjour. Je me demande ce que la reine Himiko fait durant tout ce temps. Elle a toujours été là pour nous, même pour les petites gens. Elle a toujours su protéger la cité de Seiyan jusqu'ici. Qu'elle n'apparaisse plus comme ça, c'est incompréhensible pour moi. Je vous en conjure, Reine Himiko, venez à notre secours. Oula, ça me semble grave, Ama. En effet. Le marchand. C'est terrible, un désastre. Le dragon des mers cause tant de problèmes au large des côtes. Ah, alors moi, on me l'a déjà fait dans Monster Hunter, celle-là, le coup du monstre marin qui serait la cause de tous les problèmes, alors qu'au fait, c'est pas du tout ça. Bref. Dragon des mers cause tant de problèmes au large des côtes. Que je n'arrive même plus à me procurer quoi que ce soit pour mon magasin. Il y avait des tonnes de poissons dans la région Ryoshima. Mais le dragon des mers les a tous fait fuir. Le prix du poisson frais a crevé le plafond. Que veux-tu, Doutou? On t'a envoyé faire les courses? J'ai pas grand-chose à t'offrir, mais tu peux jeter un coup d'œil. Le mec, c'est l'apocalypse. Il continue de vendre son merdier. Wow. Oh. Des cannes à pêche. D'accord. Des herbes. Fusing. Fusing. Ah, vu que c'est jaune, ça a l'air des objets de quête ou quoi, comme ça. 17 000, j'ai pas assez pour tout prendre. J'ai assez pour prendre ça, ça et un des trucs là. Ok, pièce machin. Ah, non. Ah j'ai plus de. Non. Non, herbes, ils vont manquer. Viande, il m'en manque un. Poisson, il m'en manque un. Bâton d'encre infini, il m'en manque un. Ok, d'accord. Ok, ok, ok. Ok. Bah. Ah non, guérite n'importe quelle maladie. Ah. Pfff.
On verra si c'est utile plus tard. Ah, par contre, j'ai du merdier avant. Attends. Mec, j'ai du merdier. Bla. Oui. Vendre. J'ai des trucs pour toi. Voilà. Oh bah 24 000, c'est bon, j'ai de quoi tout prendre. Alors, on prend Chibini-Mini-Mu, on prend Neige Aveuglante, on prend ce truc, et on prend ce truc. Voilà, comme ça on avait pile de quoi tout prendre. Ça a l'air des objets de quête, une connerie comme ça, donc c'est mieux d'en avoir. Du coup, réfléchissons. Tiens, là-bas, il y en a un qui prend... Oh, ça on dirait le messager. C'est affreux. Je dois livrer ces lettres au plus vite. Mais je peux à peine me tenir debout, tellement j'ai mal. La brume s'est encore plus épaissie aujourd'hui. Pourquoi suis-je malade à un moment pareil? Cette brume semble rendre les gens malades et déprimés. As-tu déjà entendu parler de choses de ce genre, hein? Pas vraiment. Bonjour. Ouh, toi t'as l'air classe. Un armurier. Ah, j'aurais peut-être dû garder mes sous. Hein? Salut, Sacapuce. Que fais-tu à traîner dans une brume pareille? Ce n'est vraiment pas le moment de se promener à Saiyan. Surtout depuis que cette purée de poids est tombée sur la ville. Et l'apparition de la zone maudite n'arrange rien du tout. Ah, encore une zone maudite, tout s'explique. La reine Himiko ne sort plus, elle est cloîtrée dans son palais. Et tous les autres citadins se terrent dans leur foyer. Le boulot de notre dirigeant n'est-il pas de nous aider à surmonter ça? Dans tous les cas, les affaires ne roulent pas trop, on peut le dire. Si t'as été envoyé pour faire des courses, ne te gêne pas. Ouais. Du coup, j'aurais peut-être dû garder mes sous au final. What? Les 7 châtiments. Putain de grosse épée. Ok. C'était une myriade d'encre. Ok. Et sinon, à part ça. Non, à part ça, rien de passionnant. La poudre d'or, c'est cool, mais. Non, en tout cas, il y a ça, mais le truc, c'est que ça, c'est. Plus ou moins useless. Parce que les épées, je les maîtrise pas du tout. Donc. Tant pis! Tant pis! Sainte curiosité, je suppose que si j'essaie de purifier ces arbres là, il va me dire fuck you. C'est ce que je pensais. Ensuite, des gens. Toi, des choses à dire. Est-ce mon imagination? Je me sens de plus en plus mal au fil des jours. On dit que le dragon des mers cause toutes sortes de problèmes. La péninsule de Ryushima va-t-elle un jour retrouver sa quiétude? Je ne peux plus supporter tous ces soucis et ces douleurs. Mais quand tout ça va-t-il donc enfin se terminer? Je m'en doutais, Ama, cette brume n'est pas ordinaire. Elle recouvre toute la ville et ne se dissipe pas. C'est carrément pas normal. Non, tu crois? Certaines personnes semblent ne pas être encore touchées. Mais pour combien de temps si ça continue quelques jours de plus? Je sais pas, mais là, il y a des coffres. Et je prends. Charme de protection. Ok. Encensoir. Ok. Mais vous avez des coffres partout dans votre ville. Sac et pain de fer. Les mecs, ils ont un trésor dans... une fosse, d'ailleurs, c'est quoi? C'est une fosse. Père Léron, bonjour. C'est quoi? Je suis dans une fosse sceptique, là. Ce qui doit expliquer l'odeur, tu me diras. C'est l'idée aussi d'avoir des fosses sceptiques... ouverte sur l'extérieur, si je puis dire. Alors, c'est comme un labyrinthe, on va prendre à droite. Tiens, qu'est-ce que tu fais au milieu des... Mon corps, que lui arrive-t-il? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Soudainement, une douleur vive et... Ça s'appelle une crise cardiaque. Depuis, je suis coincé ici sans pouvoir bouger le petit doigt. Je me sens tellement inutile. Inutile! Si je ne vais pas aider le patron sur le canal, nous ne pourrons jamais refaire couler l'eau à travers la cité. Que faire? Ah, d'accord, il est censé y avoir de l'eau. Ok, il fait nuit. En fait, il est censé y avoir de l'eau qui coule ici. Et ça doit expliquer pourquoi ça pue. Parce que en général, quand il y a un courant comme ça, il y a souvent des algues, ce genre de choses. Tandis que là, du coup, elles sont pas dans l'eau. Donc du coup, bah, ça pue. Corne de taureau. Ok, très bien. Hop. Et on continue notre... récupération des coffres, d'ailleurs. Voilà. Récupération des coffres, disais-je. Hop. Donc... pièce de sirène. Bonk. J'ai dit bonk. Faire ça. Voilà. Ça va se laquer.
Cataclope, Cataclope, motherfucker. Et cul-de-sac. Ok, demi-tour. Une texture un peu bouillée, clignotée à moitié. Puff. Par contre, je me gaffe chez vous. Hein. Oh, oh. Fragment de corail. Avec tellement de merdier chez vous. Quelle idée de balancer autant de merdier dans les ennemis. Non, j'ai rien. C'était le gaz toxique qui sortait du mur. Cohérent. Bon. Charme d'exorcisme. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Attention, source d'eau en cours de creusement. Il creuse une source ici. C'est bon à savoir, tu trouves pas, moi ? Ouais, je suppose, parce qu'il disait qu'il fallait... Ah, je mets que ça c'est le monsieur qui devait rétablir l'eau, je suppose. Enfin, qui doit rétablir l'eau. Ou s'il est malade aussi, il va avoir un peu de mal. Bonjour, j'aimerais grimper ici pour parler à la madame. Bonjour, madame. J'ai l'impression que mon corps entier se fait écraser par une force étrange. Oh, je me sens si mal depuis l'apparition de ce brouillard. Certains ont déjà succombé à ces souffrances. Ah merde, il y a déjà des morts. La pauvre vie, mais que se passe-t-il? Ok, il y a déjà des morts, putain. Ah ouais, grave. Dur. Y'a quoi là-dedans? En mode rien à foutre. Ah merde, c'est dommage alors, il leur arrive que des malheurs. Bon, pillons leur maison. Ok. Par là. Passer par là, si peut-être. Apparemment non. Bon. Comment je sors de là, moi? Voilà. Oh. Bon. Chambre de conjuration. Ok. Et ben, je pense que nous résolverons les mystères de cet endroit. Dès le prochain épisode, je vais juste parler à lui, parce que là, il a l'air de parler à un mur, littéralement. Ouais. Je ne tiens pas trop la forme ces derniers temps, mais la douleur est si forte, je n'arrive même plus à marcher. Malédiction, c'est pourtant pas le moment. Ne me regarde pas comme ça, sac à puce. J'en ai fait. Bref, donc disais-je, c'est sur le blabla que ce monsieur disait, qu'on se quitte pour cet épisode. Je fais une petite sauvegarde. J'ai dit, je fais une petite sauvegarde. Si ça veut bien. Hop. Oui. Voilà. Et donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et pour le prochain épisode de Okami qui fait jour, ok. Prochaine vidéo et pour le prochain épisode d'Okami. Allez, ciao les gens.